Où sommes-nous? En challenge, je vous attends. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez une minute et c'est déjà parti. Je dois gagner, car je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre. Parce que j'ai le meilleur dessin. Bingo! Toi, une fontaine à chocolat peut-être bleue? Bien sûr que non. Oh, je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement enlever le bouchon? Waouh! Pourquoi j'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaye. Aïe, je tombe! Ah, t'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton ami et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Oh, oh, chut! Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh, bien encore. Maintenant, Suzy va perdre la couverture. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens. Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est écoulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tache rouge? T'as renversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Suzy, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Oui, les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mela n'est pas très bon non plus, mais au moins, ce n'est pas un désordre rouge. Mela, t'as gagné. Oui, maintenant, c'est tout à moi. Salut, délicieux chocolat! Nous voulons aussi du chocolat! Et nous allons en avoir! C'est tellement bon! Je suis tellement contente que j'ai gagné! Comme c'est bon! Hé! Il est où le chocolat? Et vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses! Ok! Cette fois, votre prix sera beaucoup plus original. Voyez ce mignon petit chien, le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. Ah, vous allez devoir de nouveau dessiner avec la bouche. Alors faites de votre mieux. Ok! C'est parti! Je suppose qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. Bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais mais comment faire ça. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici? Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Je crois que je me sens malade. Oups. Oh, je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps. Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes, c'est bien une meilleure solution. Oups! Bon, pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez! Oh non! Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessin, il est temps de vous montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mila, le caca est correct, mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial. Oui, je suis tellement content. Et le caca de Julie n'est pas très bon. Je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi. C'est elle qui reçoit le vrai caca. Quoi? Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je
ne mangerai pas cette odeur. Oui, tu dois le faire, tu sens les règles. Quel cauchemar. Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. Awesome. A-t-elle vraiment goûté le caca? Non, c'est vraiment du chocolat. Les filles, vous voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre fruit sera... le poisson. Savoureux, pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti. Je n'ai jamais dessiné avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas ta poubelle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que j'ai jamais fait. Je vais commencer par du ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson mouche. Commençons. Wow, il y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Je pense que ça sort plutôt bien. Oui, j'ai du talent, moi. Oh non, même le dessin de Suzy est meilleur que le mien. Je ferais mieux de me dépêcher. C'est vrai, j'ai 5 doigts. Donc j'ai 5 pinceaux pour dessiner avec en même temps. J'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux. Non, ce n'est pas suffisant. Je vais manger plus de sauce. Mais là, est-ce que tu manges la sauce? Nous n'avons même pas de frites. Je pense qu'il est la fin de ma sauce. Oh, pas sur mon dessin. Voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est écoulé. Il est temps de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échanger des dessins avec Suzy. Oui, Sheila. Julie, t'as fait quoi? Ça ne ressemblait pas à un poisson. Mila, tu peux me montrer ce que t'as dessiné? Ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Suzy, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que t'aies mangé du poisson cru. Moi, mais c'est de la triche. Quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Il peut être cuisiné. J'ai un brûleur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé, je sais pas comment l'utiliser. Bon, je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. Comme c'est bon. Allez, filles, le prix le plus mignon vous attend cette fois-ci. Et c'est ce chat très mignon. Vous devez faire le maquillage de chat. Celle qui obtient le meilleur obtient le bébé. Comme deux jours, vous avez une minute et c'est parti. Je ressemble beaucoup à un chaton moi-même, alors je n'ai pas besoin de faire beaucoup de détails. Suzy, tu te surestimes. Il est clair pour tout le monde que je vais gagner, moi. Oui, le nez est prêt et le reste, la moustache. Bon, personne n'a dit qu'on ne peut pas utiliser le miroir.
Je sais pas comment on peut faire du maquillage cool sans en avoir quand. C'est tellement plus facile avec un miroir. Je suis presque prête. Et je suis la meilleure. Oh wow! Mais là, regarde, Julie triche. Elle utilise le miroir alors qu'elle ne devrait pas le faire. Il faut lui donner une leçon. Oui, je suis d'accord. Je sais même exactement comment. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fais ça? Ça va ruiner mon maquillage. Oh non, maintenant je vais perdre à coup sûr. Je veux aussi ce bébé mignon. Oh, j'ai une idée. Comment éliminer la concurrence? Ceci, t'es un peu en dessous de la réalité avec le nez. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis heureuse. Maintenant, t'as l'air tellement mieux. Tu ressembles à un chaton. Merci beaucoup, j'ai toujours su que nous étions amis. Alors, décidons exactement qui obtiendra ce mignon petit gars. Julie, tu ne peux même pas regarder ça. Oh non! Suzy, qu'est-ce que t'as fait, toi? Nous ne sommes pas en train de jouer aux pirates. Quoi? Pirates? Oh, Milo! Rusé! Mais le maquillage de Mila, d'ailleurs, s'avérait très joli. Alors, Minou sera amie avec elle. Oui! Je vais t'aimer et te nourrir! Tu seras à moi! Ah, oh non! Je pense que Mila est allergique au chaton. Ce n'est pas grave, nous pouvons nous occuper de Minou nous-mêmes. Appuyez! Oh my! Oh, Mila est toute rouge. Nous devrions appeler un médecin. N'est-ce pas, Minou? Oh, mais les mignons! Qu'est-ce qu'il a dit? Hé! Oh. Hey, regarde, elle n'a pas fermé le casier. Okay. Découvrons ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ce sont des coffres-forts. Wow. Il doit y avoir quelque chose de très précieux à l'intérieur. J'y tends un coup d'œil. Non, stop! Oh! Où sommes-nous? On dirait qu'elle est temps de relever le défi. Je dois ouvrir mon coffre-fort en première. Il sourit. Oh, wow! Une pile de pop-it couleurs vives. C'est génial. C'est génial. Ouais. C'est le bon moment pour jouer et les calmer un peu. C'est bizarre. Pourquoi c'est si bon? Et ça sent si bon. Ah oui, c'est de la marmelade. Il y en a tellement. Je peux les manger tous en même temps. C'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est tellement délicieux. Les pop-it à la marmelade. Je pense qu'elle en a laissé un dernier après tout. Probablement juste pour nous, pour que nous puissions essayer. Hé, hey, arrête, c'est à moi. Ah, ça fait mal. Il est grand temps de découvrir ce qui m'attend. Je pense que c'est quelque chose de très doux. C'est des vers vivants. Je ne vais pas les manger. Non, je veux pas, c'est en train de ramper. T'inquiète pas pour ça. Ils sont tous partis. Partis? Mais c'est tout sur moi. Aidez-moi. Ils essayent de me manger. Je pense que l'aspirateur va m'aider. Il mangera tous les verres en rien de temps. Ah, mais il ressemble à des moustaches. Ça a l'air ridicule. Je vais l'enlever. Qu'est-ce qui se passe avec tes lèvres? Non, mais il faut que je mange le verre, là. Voilà. Oui, c'est fait. Les lèvres sont tout à fait prêtes aussi. Tu te moques de moi, là? Pourquoi ne goûte pas les beaux verres? Prends ça. Ils sont à moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est horrible. Allez, ne crie pas. Regarde juste ce qu'il y a dans ton coffre. Et voilà, c'est une... potion. J'espère que je ne vais pas transformer en grenouille ou en verre. C'est bizarre.
bizarre, je ne ressens rien du tout jusqu'à présent. C'est la même chose qu'avant. C'est bizarre. Oh non, quelque chose est en train de m'arriver. Les filles, à l'aide. Je pense qu'une potion de rétrécissement. C'est de la taille de ta main aussi. Eh bien, je vais te remonter. Regarde comme t'es mignonne. Hey! Oh, tellement petite. Ah, toi, tu mords? Ça fait vraiment mal. Bon, je vais quand même m'occuper de toi. Tu vas te battre contre un vrai serpent. Tu penses que j'ai peur d'elle? Je peux démolir cette chose à un battement de cœur. Je me demande qui va gagner. Je sais pas encore, mais je pense que le vert est plus fort. Le vert? Je l'ai déjà battu, prends ça. Tiens. Oh oui, il a vraiment gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'était un combat très cool. Vous avez vu comment je suis forte? J'ai le bonbon cette fois-ci, alors je vais d'abord ouvrir mon coffre-fort. Oh, c'est ça. C'est mon cocktail de tous les Mars. Je les adore. Qu'est-ce que j'attends? Il est temps de boire. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Bouteille stupide. Ouais. Comment tu peux ne pas comprendre? Écoute, laisse-moi te montrer comment boire. Quoi? Toi? Allez. Ouais. Je plaisante. Ah ouais? Je n'ai pas te donner à boire. C'est à moi. Je peux le voir sans toi. C'est si radite. Je vais te donner une leçon. Ça t'apprendra à ne pas partager avec tes amis. Qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, je suis toute mouillée. T'aurais pu boire toute la bouteille. Je croyais que nous étions amis. Ouais, arrête de pleurnicher. Demande à Diane d'ouvrir son coffre. Quoi? Poisson? Oh non. C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas à nous. Mais tu dois quand même manger. Ce sont les règles. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Faisons un essai. C'est trop important. Non, je peux pas faire ça. Ce n'est pas bon. Je ne mangerai pas. Comment ça? Je te le dis, ce sont les règles. Alors vas-y, mange. Très bien. Donc faire ça aussi vite que possible. Voilà. Ah non, pourquoi j'ai besoin d'un squelette? Arrête de rire. Allez, Marie, ouvre ton coffre. J'adorerais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de Skittles, je veux dire, je les aime, pourquoi si peu? Ça a un goût normal. C'est juste un bon bonbon. Dans l'ensemble, j'en suis heureuse. Regardez, ce bonbon au fond de l'effet maintenant. Oui, c'est trop cool. Et c'est le cas. Tu me laisseras en essayer? Ouais. Cool. Regardez, maintenant je suis aussi un bonbon. Diana, t'en veux? Come on! Non, merci. Je mangerai pas tous tes boutons. Une fois de plus, je serai la première à ouvrir le coffre-fort. Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est ce que j'appelle un cadeau. On ne peut jamais avoir trop d'iPhone. Et quelle belle photo t'auras sur elle. Regarde ça. J'en veux aussi. Laisse-moi avoir une photo. Va-t'en. Et ne gâche pas tout pour moi. Prends ça, c'est à moi. Je le veux. Les filles, arrêtez de vous battre. Donnez à moi. Trouvez à qui appartient ce téléphone et je vais jouer avec. Comment tu oses? Donne-le-moi. C'est à moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Mon nouveau téléphone. Non. Oups, je ne pense pas qu'il soit dans le meilleur état maintenant. Que cela est ta faute. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'avais plus d'iPhone. Mais c'est quelque chose de cassé. Pendant que tu supportes ça, je vais ouvrir mon coffre. C'est bizarre, pourquoi c'est vide? Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh non! Pas la grenouille! J'ai peur d'elle. Aidez-moi. Je ne veux pas cet animal. Oh.
Je ne veux pas cet animal. Vas-y, saute d'ici. Hey, qu'est-ce que j'y gagne? Non, mais c'est à toi et je dois le manger. Non, pas du tout. Et si c'était un prince charmant? Alors je serais une vraie princesse. Il faudra vérifier ça. Ok. What's the matter with you? Alors, le prince? Je pense pas que c'est ça. Bon, je pense que c'est à moi de vérifier. Quoi? Oh, wow! Une sorte de chapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais qu'est-ce que je dois faire avec une grenouille? Quoi? Je déteste te dire ça, mais je pense que ta grenouille s'est maintenant transformée en pierre. En pierre? Un rocher? Bizarre. Mais pourquoi c'est marron? Ah, c'est vrai! C'est du chocolat! Ce n'est pas seulement du chocolat, c'est du chocolat délicieux! Écoute, ton chapeau peut faire ça à mon iPhone? Découvrons-le! Ça a marché! C'est trop cool! Maintenant, j'ai un iPhone en chocolat! En plus, c'est délicieux! Alors, le chapeau n'est donc pas inutile. Mais est-ce que je peux le porter? Je pense que c'est bon. Oh, wow! Maintenant, toi et moi avons maintenant chocolat Marie. Vas-y, on mange ses doigts. Non, on ne va pas se moquer d'elle. On va juste enlever le chapeau. Et ensuite, elle sera comme elle a toujours été. Vas-y, essayons. Oh, merci! Vous m'avez sauvée! Je pensais que j'allais être en chocolat pour toujours! Une délicieuse friandise matin cette fois-ci! J'espère qu'il y a quelque chose de super délicieux! Oh, Nutella! Je l'adore! Je mangeais le pot entier! Wow! Oh, désolé, Clarissa! Le couvercle est volé s'asseoir directement sur ta tête! Ça ne veut pas dire qu'elle doit me frapper en visage maintenant. Allez, ne sois pas offensée. Je suis juste très stupéfiée par ces délices à venir. Je suis sûre que le Nutella sera délicieux, comme toujours. J'avais raison. Oui, mais c'est à moi. C'est ma Nutella. Et pourtant, il reste une goutte sur le bec. Cool. Sur ton nez. Et moi, je suis toute couverte de Nutella. Oui, on peut voir ça. T'es à fond dedans. Je pense que nous devons aller plus loin pour trouver maintenant. Oh non, maman, c'est coincé. What? Haha, gourmande, il faut manger moins. Je regrette que tu n'aies pas ri et tu n'aies pas aidé. Vas-y, Clarissa, aide-moi. J'essaye. Vas-y, on peut le faire. Vas-y, tire. Oh, cool. Nous avons beaucoup de Nutella maintenant. Dépêchons-nous et mangeons tout. Je vais bien. T'inquiète pas pour moi, je suis en vie. What? Vous avez tout mangé? Comment vous... Oh, il y a encore du chocolat. Tu peux le manger directement dans ta main. What? Come on! Ok. Pendant que tu manges, je vais découvrir ce qui m'attend. Quelque chose qui pue. Oh non, pas de fromage. Je t'en supplie. Malheureusement, c'est exactement ce que c'est. Je ne veux pas le manger. S'il te plaît, aie pitié. Il est si méchant, n'est-ce pas? Moins de mots, plus d'action. Allez, prends une bouchée. Horrible. Oui, ça a l'air tout simplement dégoûtant. C'est le cas. Je ne peux pas l'avaler. C'est trop dégoûtant. Bien que. Ok. C'est parti. Oulala. Cool. Come on! Oui, cool, maintenant découvrons ce qui m'attend. Je pense que nous devrions y aller. Oh, combien d'yeux de marmelade! Vous en avez beaucoup, hein, et j'en ai qu'un seul œil en gelée. Mais ce n'est pas drôle du tout, hein. Pas drôle, tiens! Oh, quoique, c'est quand même délicieux. Je pense que Mela était bouleversée. Je pense qu'elle sera amusée par ma farce. J'espère qu'elle ne trouve pas cela trop cruel.
mais je trouve que c'est incroyablement drôle. Mais là, regarde ce que j'ai fait! Ça fait tellement mal! Oh non, j'ai plus d'œil! Quoi? Quelle horreur! Non! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je m'étouffe! Mais là, à cause de toi, elle a souffert! Non, elle ne peut pas respirer! Comme c'est bon! Oh! Pourquoi c'est l'œil? Quelle horreur! Après une farce folle, manger un délicieux à la main, voilà exactement ce dont j'ai besoin. Ok. Je suis d'accord, moi aussi j'ai envie d'engloutir mes goodies. Regardez comme mes yeux sont grands. Alex, qu'est-ce que t'attends? J'ai mangé des yeux moi-même. Et alors, je peux gérer ma propre pile de goodies. Oh. Pourquoi ne pas partager avec moi? Moi aussi, nous sommes des amis. Les filles, ne faites même pas des efforts. Je ne donne rien à personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois trop bien. Alex avec les yeux. Pourquoi tout le monde est atteint de friandises et j'ai qu'une part de chocolat Twix? J'espère que c'est moins très bon. Hé! Yeah. Tu ne suis pas une poubelle à jeter sur moi. De quoi te plains-tu? Tu te comportes comme une petite fille. J'ai une idée pour diviser une barre de chocolat en plusieurs morceaux savoureux. Une scie m'aidera à le faire. J'espère qu'Alex ne pleurera pas à nouveau. Pense à Twix. Ne nous fais pas de mal avec cette scie. Je n'ai pas besoin de vous cette scie pour la barre de chocolat. C'est fait. Comme c'est bon. C'est le Twix le plus savoureux que j'ai jamais mangé. C'est mon tour de manger du chocolat. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser des papiers d'emballage. Je connais un moyen magique de le faire. C'est bon, j'aime bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Et vous savez ce qui est parti avec le chocolat? Du lait! Hey, pourquoi tout me saute à la figure? C'est une combinaison vraiment magnifique. Lait au chocolat, Twix, c'est un vrai paradis du chocolat. Je ne veux surtout pas manquer de chocolat. Qu'est-ce que vous regardez? Alex, tu peux aussi très bien commencer à manger. Je viens de penser à une idée géniale. Les chocolats sont délicieux, mais bien sûr ennuyeux. C'est beaucoup plus cool de construire une énorme tour avec eux. Le Nutella serait un super élément de liaison. Wow, Alex, nous ne savions pas que tu pouvais construire une telle tour. Bien sûr que je peux. Je peux faire plus que ça. J'espère que cette tour battra une sorte de record. Je veux même que tout le monde le sache. Mais c'est tellement délicieux. Ne ferions mieux de la manger. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la tour tremble-t-elle? Oh! Alex, nous sommes désolés. C'est juste que les chocolats sont délicieux. C'est bon, le casque m'a sauvé. C'est quand même dommage pour la tour. Waouh, il y a toute une montagne de chips là-dedans. Et tout à moi. Oui. Vous avez beaucoup de chips et j'ai une toute petite chips. Je n'arrive même pas à bien les regarder. Je ne peux pas la faire avec une loupe. L'échantillon a l'air très appétissant. Je crois que j'ai un exemplaire très bon.
Je dois le tester de manière empirique. C'est bon. Et aussi très, très petit. Alex, c'est ton tour. Enfin, j'étais sur le point d'avoir très faim. Mais qui ferme les chips comme ça? J'arrivais pas à ouvrir. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je vais vous montrer en cours de maître et vous allez découvrir comment manger des chips. Hop! C'est fait! C'est... Bon. Oui! Ces chips sont tellement cool! C'est enfin mon tour de manger ce miam miam. Hé! Fais attention! Ça fait mal! Désolée, mais il n'y a rien que je puisse faire. Les chips sont trop bonnes. Ouais, ça me fait mal, arrêtez! Mon casque me sauve. Je peux à peine sentir les coups. Mais je sais comment nous pouvons lui donner une leçon. Tout ce que nous avons à faire, c'est de désarmer ce château de chips avec une machine. C'est délicieux, mais c'est vraiment difficile. Pas le brocoli! Quelle sorte de graines bizarre est-ce que j'ai reçu? Le goût est tout simplement dégoûtant. Mais je pense que je sais quoi faire avec. Si je plante une graine et que j'en prends soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux. Tu plantes et on souffre! Arrêtez de pleurnicher, combien de temps je dois attendre pour que ça pousse? Come on! Qu'est-ce que je dois attendre? Pourquoi vous attendez? Vous avez le temps de vous occuper de votre brocoli. Bien que leur but me rend malade. Ouah. C'est comme un chat dans ma bouche. Ça pue. Cela a besoin de quelque chose de boire. Tiens, j'ai juste besoin de quoi arroser la graine. Les gars, il se passe quelque chose. Ça secoue. J'espère que c'est sans danger. Julie a fait pousser ses propres brocolis. Oui, c'est une sacrée requête. Maintenant, tu vas devoir tout manger. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, c'est bon? Non. Et arrête de rire. Vraiment, arrêtez de vous moquer de moi. Mais là, maintenant, c'est ton tour. Non, je ne veux pas manger tout un tas de brocolis. Peut-être que je peux m'en débarrasser. Regardez, il y a un Mickey Mouse. Ouh, comme vous êtes naïve. Maintenant, il faut se débarrasser de tous les brocolis. Stop! Tu penses que t'es la plus intelligente? Non. Oh, je vais attraper tous les brocolis juste pour toi. J'ai tout mangé. Voilà, c'est ce que t'as jeté. Je pensais que nous étions amis. Les amis ne se trompent pas entre eux. Alors, bon appétit.